le système RPT Unir sème la confusion. Malheureusement, il y a des gens qui se disent journalistes, qui se disent ceci, qui se donnent des airs de, comment je dirais ça, procureurs ou des gens qui jugent les consciences et qui disent beaucoup de choses. Et ils ne s'occupent pas de l'essentiel. De qui? Des représailles du peuple? Nous devons avoir toujours peur du peuple, mais je crois que le peuple comprend très bien ce qui se passe. Il nous revient d'expliquer sans relâche au peuple. Il finira par comprendre. Le peuple finira par comprendre. Le RPT Unir s'emploie quotidiennement à semer la confusion. Je dis aidé par certains qui se disent de l'opposition, soit grand journaliste ou soit de partis d'opposition, ils aident le système à semer la confusion. Malheureusement, ça nous complique la tâche. Parce que je peux vous garantir que des fois, nous sommes considérés comme des complices du pouvoir en place. Et heureusement, les Togolais savent que c'est faux. Et que c'est le RPT Unir qui fait ça. Mais je dis, la population finira bien par comprendre. D'abord, je ne vois pas très bien ce que M. Bawara vient chercher dans cette affaire. Le système RPT Unir s'emploie à déstabiliser quotidiennement l'ANC. Donc, nous savons que c'est notre sort. Nous savons que nous sommes un parti d'opposition en face du système RPT Unir, dont nous voulons le départ. Et donc, nous n'attendons pas du système RPT Unir qu'il nous fasse des cadeaux. Mais je ne vois pas très bien le système en place se prononcer sur « je suis un traître » ou « je ne suis pas un traître ». Je suis un traître par rapport à quoi? Par rapport à Bakoumaro. Monsieur Bakoumaro a accepté de participer au système que nous combattons, qui viole les droits de l'homme, qui tue, qui blesse, qui opprime les Togolais. Et donc, ce n'est pas la ligne du parti qui a envoyé Monsieur Bakoumaro dans le gouvernement rendu public il y a une dizaine de jours. Non. À partir du moment où M. Bakoumaro a enfreint la ligne du parti, comme ça se fait sous toutes les latitudes, dans tous les pays du monde, il mérite de subir la sanction de son acte. Et donc, il est sanctionné, il est exclu. Il a trahi la ligne du parti. Il est exclu. Il est exclu. Je ne dis pas qu'il est traître, il est ceci. Mais M. Bakoumaro a posé un acte en dehors de la ligne du parti. Partout où ça se passe, vous avez vu, chaque fois qu'un gouvernement est constitué, dans tous les pays du monde, on voit ce genre de phénomène. Dans les moments de constitution du gouvernement, on voit des gens se livrer à ce qu'on appelle la transhumance politique. Ils transhument. Mais le nomadisme politique, ça existe partout. Monsieur Bakoumaro n'a rien inventé. Malheureusement, il existe en politique des hommes de conviction et ceux qui n'ont pas de conviction qui cèdent rapidement
aux sirènes du parti au pouvoir, au chant des sirènes du parti au pouvoir. Et donc, moi, je n'ai rien à voir avec M. Babara. Mais je suis très flatté que M. Babara s'en prenne à moi. Quand mon adversaire s'en prend violemment à moi, ça veut dire que je suis dans le bon sens. J'ai posé un acte qui lui fait péter les plombs. Et donc, ce que j'ai fait est bon. Et surtout si ce n'est pas mon adversaire, mais c'est mon ennemi politique. Vous savez, on ne nous traite pas au Togo comme si nous étions des adversaires politiques du pouvoir. On nous traite en ennemi. Le 16 août 1998, l'armée, tout le monde a oublié, a bombardé mon domicile. On a tiré 3 roquettes sur mon domicile. Et c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort dans le domicile, la maison. Miracle. Parce que mes enfants ont quitté la maison 5 minutes avant l'arrivée des camions militaires. Ils ont tiré des roquettes. Ils ont tiré ce que j'ai ramassé comme douille de balles dans mon domicile. Eh bien, je peux dire, je suis un miraculé. Alors, face aux gens qui me considèrent comme un ennemi, parce que je combats, je lutte pour leur débat, parce qu'ils n'ont envie de rien faire d'autre que de jouir du pouvoir, d'opprimer les Togolais, de violer les droits de l'homme, de tuer, de massacrer pour rester au pouvoir. La preuve, c'est qu'ils viennent de changer la constitution pour juste pour un homme, pour M. Fognassoué, pour qu'il reste au pouvoir ad vitam aeternam. Donc, si M. Babara me traite de traître, j'en suis flatté. Et surtout, si c'est pour M. Bomaro qu'ils ont débauché de l'ANC, si c'est pour... Je crois que M. Bomaro, quand même, il sait se défendre. Il n'a pas besoin de M. Babara. Surtout que M. Babara est réputé parler à tort et à travers. Je n'oublie jamais l'exercice auquel il s'est livré aux obsèques de Patrick Lawson. J'étais à la veillée du Monseigneur Barriga, archevêque de Lomé, décédé le 4 août dernier. Monseigneur Amouzoubiaka, qui a prononcé l'oraison funèbre. L'oraison. Il s'est livré à un exercice de manifestation de son admiration pour monsieur, pour l'archevêque défunt, Monseigneur Barriga. Il a dit tout le bien qu'il pensait de lui. C'est un génie, tout ce qu'il a fait de bien. Monsieur Babara, aux obsèques de Patrick Lawson, a demandé la parole à l'archevêché ou je ne sais pas quoi. Il a pris la parole pour dire tout le bien qu'il pense de M. Fognassoué, qui aurait fait du bien à Patrick Lawson. Oubliant que c'est universel. L'oraison funèbre, c'est l'hommage aux défunts. Ce n'est pas l'hommage de ceux qui ont fait du bien aux défunts. C'était indécent. Mais M. Babara l'a fait. De quoi veut-il me parler aujourd'hui? Lui qui ne sait pas où se trouve l'indécence. Il veut me parler à moi? Non. Ce n'est pas parce qu'on le laisse se livrer à toutes sortes de désordres qu'il a le droit de faire tout ça. Moi, je n'ai rien à voir avec lui. Je le remercie beaucoup de s'en prendre à moi.
J'en suis flatté. Je sais que le peuple togolais a beaucoup donné. A beaucoup donné depuis toujours. Et je ne dirai pas en ce qui me concerne que le peuple a failli jamais. Je dis plutôt, nous avons dilapidé la disponibilité populaire. Le peuple était disponible. Nous avons semé la confusion dans son esprit. Je lui demande de ne pas se décourager. La politique, certains pensent que la politique, c'est le mensonge. Certains pensent que la politique, c'est la confusion, c'est semer la confusion pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Notre conception de la politique, notre vision, ce n'est pas ça. C'est faire en sorte que le peuple togolais soit respecté, mettre en place un pouvoir qui respecte le peuple togolais, qui satisfait les aspirations profondes des Togolais, qui fasse en sorte que les Togolais vivent dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. Je demande aux Togolais de ne pas se décourager. Le mensonge n'est bon ni en politique ni dans la vie courante. Celui qui est digne ne ment pas, n'obtient pas des résultats par le mensonge. Il obtient des résultats par le travail. Je sais, nous avons, il y a des années, en 2007, en 2017, la population était mobilisée. Juste un peu, mais certains qui semaient la confusion ont demandé d'arrêter la mobilisation. On les a applaudis. Ils ont demandé d'arrêter la mobilisation pour que eux, ils puissent s'implanter, améliorer leur implantation. Ces gens-là, personne ne les a condamnés. Non seulement on les a applaudis, mais quand ils sont arrivés, quand ils ont amené des accusations contre moi, dire j'ai pris de l'argent ici, tout le monde les a applaudis. Le résultat est ce que nous sommes, ou est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je demande que nous fassions preuve de discernement. Il y a des gens comme nous qui luttent. Quotidiennement, pas pour leur propre satisfaction personnelle. Je dis, il y a des gens de conviction. Ces gens de conviction, il faut leur faire confiance. Tout ce qui est raconté sur eux, c'est dans l'intérêt de leur nuire. Nous devons faire très attention. Nous devons faire preuve de discernement. J'invite les Togolais à un peu plus de discernement. Beaucoup de mensonges sont racontés, mais faisons attention. Ce n'est pas pour eux que l'on dénigre ceux qui font de l'opposition rigoureuse. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple que nous, on essaie de nous dénigrer. On invente des choses. C'est juste parce que ceux qui le font ont d'autres préoccupations, ont d'autres agendas, ont un autre agenda, donnent leur soutien à des gens et ils pensent ouvrir un boulevard devant ceux qu'ils soutiennent en dénigrant. Malheureusement, ce faisant,
on affaiblit toutes nos positions. Le peuple n'a plus confiance ou le peuple est découragé. Donc faisons confiance. Faisons confiance à ceux qui travaillent. Jugeons les gens, les opposants, par les actes qu'ils posent et non par ce que l'on raconte sur eux. Merci.